Au terme d'une journée intense, avec plus de 200 vaches qui ont été en compétition, Bruno Lambert et son ringman Johan Vachou ont pu retrouver le résultat du travail qu'ils ont effectué tout au long de la journée du 3 octobre à Cournon, lors de la désignation de la super mamelle, puis de la grande championne de ce 17e concours national de la race Montbéliarde. Après que Damoiselle, meilleure mamelle adulte du concours, ait obtenu le prix de super mamelle, les trois championnes de la journée, Géorgie, championne espoir, Edès, championne jeune, et Beauté, championne adulte, se sont enfin alignées au milieu du ring pour la désignation de la grande championne. La musique pour ce prix de grande championne. Et nous, on désignera les trois vaches l'une après l'autre, puisqu'il y a un prix de grande championne, et un prix de réserve grande championne, et il y a un prix de mention honorable grande championne. Donc vous ne serez pas surpris si Bruno nomme les vaches l'une après l'autre. Eh bien, sur la grande championne, je vois beaucoup d'espoir dans la race et je vois l'avenir de la race à travers des vaches comme celle-ci. Si Bruno Lambert avait bien préparé cette journée, il peut se réjouir du travail accompli. Je me l'étais faite déjà depuis plusieurs jours dans ma tête. Et puis, finalement, ce que j'avais préparé, j'ai réussi à le placer tout au long de la journée. Comme je le voulais. J'ai bien été aidé par Johan, qui m'a soulagé la tâche en plaçant les vaches vraiment comme je le voulais. Et puis comme c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, j'ai eu tout de suite confiance sur le ring. On a passé une super journée avec beaucoup de monde pour admirer notre race Montbéliarde. Et avec une première partie de journée et un concours espoir de très haut niveau. Un concours jeune un petit peu plus moyen. Et l'apothéose avec des vaches adultes. Le jeune meneur de Géorgie, après avoir remporté avec elle le prix de précocité, puis les prix de meilleure mamelle espoir, championne espoir, et enfin celui de grande championne, peut être fier aussi. Donc je m'appelle Benoît Rolly, je suis un jeune qui suis en bac pro, et je suis venu ici présenter la vache de mon oncle et de mon père. Donc cette vache, ça fait plusieurs mois qu'on la prépare, depuis qu'elle avait lait. On l'a bien alimentée. Ensuite, c'est une vache qu'on a tondue, on a lavée. Enfin, elle a été bichonnée à la maison. Et ensuite, arrivé le jour J ici, c'était le grand moment. La vache, on s'en est occupé de A à Z. Les derniers préparatifs, on l'a lavée, on l'a trait, on a mis les heures de lait dans la mamelle qu'il fallait pour qu'elle soit à son maximum. Et aujourd'hui, elle termine grande championne. Donc, grande championne nationale, pour moi, c'est extraordinaire à mon âge de faire un podium comme ça. Et voilà, donc très fier d'avoir une vache qui gagne aujourd'hui.